Alors ça y est, boum, allez, Daniel, j'ai envoyé la vidéo là. Donc je salue tous les youtubeurs, youtubeuses, les abonnés et ceux qui vont s'abonner à ma chaîne là. De 14 FRS 3770, la Charente-Maritime qui vous salue. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez la vidéo et de vous abonner. Donc je suis en compagnie de l'ami Daniel. Tu vas me redonner ton indicatif, Daniel, là, ici 14, uniforme Foxtrot 123. Je te retourne le micro, Daniel. Et tu salueras les youtubeurs et youtubeuses. Vas-y, retourne micro. Ok Daniel, 14 FRS 3857, 14 uniforme Foxtrot 123 pour les bandes pour les bandes HF, 14 FRS 3770 pour les PMR et DMR. Et j'ai un autre indicatif tout récent, d'ailleurs que je vais utiliser là, c'est 14 Mike Alpha Romeo 006. Voilà, donc pas mal d'indicatifs, hein. Et pas évident à retenir. Donc le tout récent là, c'est 14 Mike Alpha Romeo 006. Voilà Daniel. Donc ouais. Toi tu m'arrives aussi. Signal de neuf et une excellente radio. Voilà, comme ça en même temps tu vas voir. Tu connais déjà peut-être la chaîne, hein, 14 FRS 3770 François François. Donc je pense que tu connais déjà un peu la station. Voilà, je te retourne le micro, Daniel. 14 FRS 3760, 14 Mike Alpha Romeo 006 pour 14 Foxtrot Romeo Sierra 3857. Retour, Daniel. Oh bah elle sera ce soir en elle sera tout de suite après notre QSO, elle sera mise directement en ligne et tu l'as d'ici peut-être 7-8 minutes après voire 10 minutes après l'avoir mise maintenant qu'il y a eu du haut débit à la maison. Au départ pour une vidéo de 10 minutes ça mettait 3 heures. Maintenant ça met 5 à 6 minutes voire 7 minutes pour être sur la chaîne. Voilà, malheureusement je sais pas comment faire pour la mettre en direct, hein, pour faire du direct, ce qui est un peu dommage. Faudrait que je vois ça un petit peu d'un petit peu plus près, hein. Mais ça commence je commence à avoir des abonnés, hein. D'ailleurs je les remercie là, il y en a 60 là pour le départ et j'ai un peu plus de 4400 vues depuis le début, donc je remercie encore tout le monde et c'est bien sympa. Voilà, il y a des petits commentaires aussi super sympathiques, donc merci, merci pour la chaîne. Voilà, donc oui, là c'est de la FM, hein, sur le 27305. D'ailleurs, c'est un canal d'appel, on devrait faire un petit QSY pour pas trop gêner, mais pour le moment, c'est vrai qu'au niveau propagation, on se met là dans notre coin, on n'est pas gâté. Voilà Daniel, je te retourne le micro. 14 uniforme Foxtrot 123 pour 14 FRS 3857.
Ouais, François qui reprend. Ouais, bah oui, il faut aller essayer de lancer quelques appels, hein. Je sais pas si tu maîtrises un petit peu la langue de Shakespeare, mais faut pas hésiter à se manifester, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là j'ai mis un petit peu de contour là pour voir un petit peu comment était ta radio. Je vais te faire le retour et je vais faire quelques petits réglages là pour peaufiner un petit peu la radio de ton côté. Je te retourne. Oups, pardon, je te retourne le micro, Daniel. Ouais, j'ai mis un peu de filtre de mon côté là pour améliorer encore la phonie de ton côté. Je te retourne le micro là pour peaufiner un peu tout ça. Retour micro. Ok Daniel, là j'ai amélioré, il y a moins, un peu moins, c'est un peu moins aigu, un peu moins de crachouillis là. J'ai rajouté du contour et j'étais en white en bas comme tu peux voir et j'ai rétréci la bande passante. Donc là je te reçois nettement, nettement plus, encore plus clairement là. C'est un tout petit peu plus sourd au niveau de la radio, on va dire un peu plus dans les graves. Mais c'est du tout bon. Voilà Daniel. Sinon oui, bah oui, comme je te disais, la prochaine acquisition, là, l'antenne pour le 2 mètres et le 70 cm. J'ai aussi une antenne directive là, mais il va falloir que je trouve un rotor, hein, parce que elle fait quand même 12 éléments. Ouais, c'est ça, 12 éléments avec un baume de 6 mètres. c'est un beau râteau, hein. C'est un beau râteau, hein. Ça fait râteau un peu comme antenne télé, hein. C'est pas des grands radians à l'horizontale, mais il y a quand même 12, c'est une 12 éléments et un baume de 6 mètres. Voilà, mais par contre elle est taillée uniquement pour la bande des 2 mètres, hein. Donc ça va me permettre aussi de faire pas mal d'écoute sur les 144-145. Et puis vraiment en longue distance, hein. Elle fait je sais plus combien de dB, mais c'est assez gros. Voilà. Et puis une autre antenne biband là que j'ai pas encore passé au banc avec 2 fois. Attends, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, 2 fois 3 radiants les uns sur les autres. Voilà. Avec une gaine. Dont tu peux régler le ROS. Donc je connais pas la marque. J'ai essayé de la trouver là sur internet. Et malheureusement là sur l'étiquette qui est en bas, il n'y a plus la référence. Et c'est une antenne un peu spéciale, hein. Je suis désolé, c'est un peu le bazar dans la station. Mais tu la verras. On la voit contre le mur là-bas. Elle est démontée. J'ai une autre Sirio pour le 2 mètres qui elle est encore dans la housse. Il y a encore pas mal d'antennes, dont une filaire aussi de 2 x 15 mètres là qui est enroulée dans la station. Il y a de quoi faire. Ça commence à faire beaucoup d'antennes là au QRA, donc il y a encore le choix. Malheureusement, avec le pylône que j'ai à haute tension à côté, là, plus je descends en fréquence dans les bandes HF, malheureusement, plus j'ai de QRM. Et ça, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Voilà Daniel, je te retourne le micro. 14 uniforme Fox Trot 123. Ah bah ça y est, je me replante. Ouais, enfin bon, je peux donner les deux, hein. Pour 14 FRS 38-57. Je te retourne le micro. Bah ouais, c'est ça le souci, hein. La nouvelle là, pour la 2 mètres et 70 cm, ça encore je vais dégager la 703 là que j'utilise là pour le PMR en version USA et je mettrai peut-être la nouvelle à la place en attendant.
Parce que c'est vrai qu'elle serait pas mal au niveau de l'antron. Hein. Ça, c'est sûr que là, les relais, même la passerelle qui se trouve à Bordeaux, je pense que je l'enclencherai. Le relais Michels, ça, alors là, sans souci. Et puis le prochain relais là, qui est en train de se mettre sur le PMR12 là, ça pourrait éventuellement le faire. Voilà. Et puis j'ai une autre idée aussi, faire un hotspot, mais ça je pourrais t'en dire un peu plus si un jour on a l'occasion de faire un visu, parce que j'ai une autre idée aussi, mais ça je peux pas le dire en fréquence. Voilà, Daniel. Je te retourne le micro. Il y a un truc qui fait ça, mais mince, j'ai plus le nom en tête. Je sais pas si tu vois derrière la zone industrielle de Royan, tu as comme un ferrailleur, une casse avec un avion qui est posé sur un espèce de mât là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire comme magasin. C'est chez. Ça me revient pas. Je sais pas si tu vois, c'est derrière la zone industrielle de Royan. Ok, Daniel, 14 FRS 3857 de 14, uniforme Foxtrot 123 là qui reprend. Oui, bah, je te souhaite bon appétit, hein, je pense que c'est pour le gastro. Et c'est sûr que quand madame appelle, vaut mieux y aller, sinon tu te prends des coups de casserole. Donc bah, je resalue tous les youtubeurs et youtubeuses, hein. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et bah, Daniel, je te souhaite bon appétit et peut-être à plus tard. Soit en PMR, ou soit sur la bande des 27 mégas, mais si tu lances un appel, moi je serai branché sur le canal 8. Je te dis à plus tard, Daniel, et bonne soirée à toi. À bientôt, Daniel. Donc d'ici une dizaine de minutes, la vidéo sera sur la chaîne. À plus tard. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Encore merci à tous les youtubeurs et youtubeuses qui me suivent, et puis aux nouveaux qui viendront prochainement regarder les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit pouce et éventuellement un petit commentaire si les vidéos vous ont plu. À très bientôt, ici 14 FRS 3770 pour le PMR et 14 uniforme Foxtrot 123 pour les bandes HF. À très bientôt pour une prochaine vidéo.